savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Eh ben voilà quelque chose d'intéressant. Vous voulez acheter quelque chose ? J'ai quelque chose de spécial aujourd'hui. Ah ? Fais-moi rêver. Oh ! Un pistolet, peut-être un petit peu mieux. Tout est à vendre. Ben oui, mais je me doute. Attends, quoi ? C'est zéro ? Ça coûte zéro, ça ? Attends, ça déjà... J'espère que ceci vous sera utile. Très bien. Ça, j'ai déjà... 9000, ça coûte très cher. Mais what ? Ah ! Ah oui, putain ! Très bien ! C'est mon pack ! C'est le pack de précommande qui fait que c'est à zéro. Ben oui, d'où Jésus ! Et un crochet. Je vois. Autre chose ? Ok. Bon bah écoutez, on va saisir l'opportunité, on va pas se mentir. Cartouche de fusil. Permet d'apprendre à fabriquer des cartouches de fusil. Ah non, c'est des bâtards par contre de vendre ça en vrai. Hein. Attendez. Il y a quelque chose qui me turlupine, mais je crois qu'en fait c'est les mêmes armes. Et là ça coûte... Oh non, c'est tellement cher, on n'a pas d'argent en fait. Ne faites pas attention à moi. Hop, on va prendre à faire des cartouches de bombes, je pense que ça peut être très intéressant. J'ai déjà ça à vendre. Ah oui, j'ai déjà des trucs sympas à vendre. Ok. Ça c'est que pour la revente, on est d'accord. Je vais les garder au cas où. Vous savez quoi ? Ne faisons pas les fous. Je vais les garder au cas où. Ça, j'ai pas compris. Ça et ça, c'est quoi le mieux ? J'ai vraiment pas compris pour le coup. Une fois. Mis à part que j'ai un silencieux, en vrai, est-ce que c'est dingue ? Pas l'impression que ça soit des bons moves, là, hein. Pas l'impression que ça soit des bons moves. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça là. On va essayer de mettre un petit peu de rangement. C'est un Tetris géant. Donc, rangez bien les choses si vous voulez caser le plus d'items possible dans l'inventaire. Très bien. Allez, bon. Il n'y a pas de save hein, ici, toujours. On va voir si le crâne peut être utile, parce que dans Resident Evil 4, il y avait des combos à faire, hein, si jamais. Bon! Voici l'entrée, n'est-ce pas? Le château de Dimitrescu. Alors! J'ai l'impression qu'on va jamais pouvoir save avec ces conneries. Voilà. N'abusons pas des bonnes choses. Toujours pas de petite save, rien. 5 janvier, Renick, livraison d'un homme et de 3 femmes. 28 janvier, mère Miranda, entretien avec Madame Dimitrescu, donc c'est la grande évidemment. Et le duc, discussion d'affaires. Donc là, je pense que clairement, on a quelques boss, hein. Au minimum. Très bien, là on n'a rien. On a un petit peu d'argent pour les braves. Si j'appuie, il ne se passe rien. Jusqu'ici, on n'est pas trop perdu. Évidemment, très bien. Une petite save, je vous avoue que ça serait pas de refus quand même. Hein. Verrouiller depuis l'autre côté, ça me semblait évident.
Ça me déstabilise parce qu'il cache pas au même endroit que dans Resident Evil 4, alors Donc un crochet ne peut être utilisé qu'une seule fois, on est bien d'accord. C'est rien. C'est rien. Là, on a quoi, là? Restituer le visage des quatre anges. D'accord. Tu cherches Rose? Mais c'est pas vrai! Mmh, le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Viens, jetons-y un œil. Waouh, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Ah, ah. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Ah ouais, non, j'ai vraiment la vie, la foule, la vie au monde. Arrêtez, je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Et ben voilà, j'ai sûrement la vie la plus claquée au monde. Aïe. Je crois qu'il n'y a pas un seul de mes organes qui n'a pas été perforé. Ah, mais fais pas ça! Mais c'est pas possible! Mais t'es tout aussi fou! Ok. Très bien, on peut save quand là dans cette histoire? Bon, très bien. Ça me dit quelque chose, hein. On repart. Bonsoir. Là. Très bien, ça me paraissait évident. La question, c'est est-ce que je garde mon crochet? Est-ce qu'il disparaît à vie? Et il disparaît à vie, ce con. Crochet de merde. Ça paraissait un petit peu trop beau, vous allez me dire. Bon, point où nous en sommes, hein. On va se faire deux épisodes d'un coup, hein. On est bien d'accord? C'est pas vrai, tout le monde me déteste ici, hein. J'ai rien fait, moi, hein. Bon, bah, bienvenue dans l'épisode 4. Je l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant. Incroyable. Oh. En plus, on l'avait vu dans la démo, ça m'a même pas fait flipper. Ça me fait bégayer, c'est quoi ces conneries? Ok, qu'est-ce qu'on a là? Hop, ferraille, on l'avait aussi. Bien, le mot. Moins bien.
Bonsoir madame, monsieur, madame, je ne sais pas. Alors, bougez pas. On va l'analyser. Hop, on retire. On connaît, hein. Ça fait à peu près 8 fois qu'on vient ici, donc... très sympa d'ailleurs ce petit château. Ok. Ça, on prend du fluide. J'aime le fluide. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien plus que pas mal. Ensuite, on va déplacer tout cela. J'ai 2 pistolets, ça me tracasse un peu. J'attends de tomber sur un vendeur. Fragment de cristal, ça c'est bon. Hop, sur un malentendu, on sait jamais. Ok. Là, je pense que je peux déverrouiller, ça peut être cool. Bon move. Voilà, comme ça on reviendra peut-être ici, sait-on jamais. Je suis très frustré, j'arrive pas à trouver de trésor, en tout cas autant que je le souhaiterais. Là non plus, y a rien. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose ? Bon, bah ça j'ai bien compris. Y avait des choses à ramener, choses que je n'ai pas. Donc, 4 éléments clés à trouver dans ce château. Ah, le vendeur ! Comme nous nous retrouvons. Bah oui, vous... bah oui. Qu'est-ce que vous faites là ? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille ? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas ? Dimitrescu ? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil ? Sait-on jamais ? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Lui, il vous perd pas l'affaire, hein. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Il attend pas. Ok, Vous savez, c'est vraiment parce que c'est... Le verre, donc le verre est aussi quelque chose de... à vendre, on peut rien en tirer, très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Apprendre à fabriquer des mines. En vrai, les mines, je sais pas si je vais vraiment les utiliser. Apprendre à confectionner. Oh, une plus grande valise augmente le nombre de places. Oh, ils sont tellement cruels. C'est exactement comme Resident Evil 4. Obtenir incroyable, j'adore. Obtenir de la marchandise est plus important que... J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. J'adore. Bon, là, on a quelque chose à mettre. Labyrinthe, on l'avait déjà lu. Donc, mettez pause. Ça, je pense qu'il faut mettre une sorte de bille dedans, d'accord ? Ah oui, ne paniquez pas pour la musique, c'est moi qui l'ai paramétré dans les... endroits de save. Petite dédicace à Resident Evil 7, évidemment ! Ok. Allez, go. On est parti. Ok. Pourquoi la musique reste, par contre ? Ah non, elle est partie. Quoi ? Ah non, putain, c'est le vendeur. Ok, on est déjà venu ici. Oui, on est venu par là. Oh, terrible, ce manoir. Bonsoir. Là, il va y avoir encore des choses terribles. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Très bien, ça. Très bien, ça. Qu'est-ce qu'on a là ? Si j'arrive à trouver d'autres verres... Regarde, s'il y a plein de petits trucs qui brillent ici. Je regarde beaucoup les trésors, hein. C'est pour ça que j'ai un peu la tête en l'air, littéralement. C'est verrouillé de l'autre côté. Très bien, ça. On a de l'argent. Très bien, ça. Une tasse, ça doit valoir son petit pesant de cacahuètes, je pense. Même pas, je peux pas la prendre et la revendre. Allez, mon ref. Dommage. En vrai, j'ai combien en argent ? Toujours pas assez. Premier réflexe dans les Resident Evil comme ça. Bah, comme dans Resident Evil 4 finalement. Agrandir. Vous l'avez vu.
agrandir sa mallette. Je sais pas si j'utilise le flingue le plus efficace. Yes, fragment de cristal, ça vaut sa petite, son petit pesant de cacahuète, ça. Ok, très bien. Mince, je sais pas ce que j'ai ramassé. Tant pis. Là, y a rien à ouvrir. Ok, là, on a quelque chose à mettre, sûrement une bonne bouteille. L'histoire viticole du château Dimitrescu remonte au 15e siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrescu a combiné les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sangui Virginis, qui signifie « sang de vierge ». Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. D'accord, donc c'est là qu'il va falloir évidemment que je mette cette bonne bouteille quand on la trouvera. Est-ce qu'on a quelque chose en hauteur? Non, pas l'air d'avoir de choses brillantes. On se tire. Bonsoir. De l'argent, toujours, encore et toujours, on adore. On aime l'argent ici. Une porte à droite. Ok, ça, on l'avait pas, ça. Je prends. On y va, hein, on prend le risque. Hein. C'est verrouillé de l'autre côté. Hop, fin du risque. Retour à la réalité. C'était totalement à droite. C'est par ici. Beaucoup de balles de pistolet, j'ai peur. J'ai peur. Allez, go. Ça fait longtemps que j'ai pas de Ségane. Alors, on va courir et on va se raccrocher à la vie, n'est-ce pas? Une photo de famille. Ok. Tu préfères quoi? Là, y'a rien. Je préfère que tu me foutes la paix, pour être très honnête avec toi. Là, on a quoi? Une fois empaillé, tu décoreras le. C'est bon. On a. Je me casse, hein. Hop. C'est bon. Et j'ai oublié, je crois qu'il y avait quelque chose en haut. Que j'ai oublié, ça c'est fort dommage. 9 juin 1958, c'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas. C'était pour le moins étrange. 23 juin 1958, cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends des gémissements, comme si les fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958, je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors j'ai entrouvert la fenêtre. « Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement » m'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. On l'a déjà lu 3 fois. Mais bon, là on est dans le jeu, donc... On joue le jeu. Il n'y a pas autant de sauvegardes que ça, par contre. Hein. Incroyable. Hein. Ok. Très, très bien. Bon, comme d'habitude, on va fouiller. Quoi? Ah non, j'ai eu peur, c'était moi, putain. Comme d'habitude, on va fouiller, parce qu'encore une fois, on n'est plus dans une démo. Je sais pas, est-ce que je dois utiliser le SOCOM? Le chat, le doute, m'habite, je vous le dis. Hein. Est-ce que je dois me sustenter de cette arme? Ou alors prendre l'autre? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles, et ça me fait peur. J'ai vraiment beaucoup de balles, là. Bon, après, j'ai le pack préco, mais quand même... Et ben voilà. On appelle la machine ici.
S'il vous plaît. Merci. Ok, ok, ok. Jusqu'ici, on y a été aussi. Tout ça pour pour récupérer un morceau de mes couilles, là. Ah, la pété. Pas venu ici pour souffrir, moi. Hein. Tout ça pour ma gamine. Oui, c'est vrai que c'est hardcore. Quand avec un petit peu de recul... J'imagine le mauvais daron. Ouais, tout ça pour ma gamine, putain. Qu'est-ce que j'en ai à péter d'elle? Ça va me casser les couilles, hein. Ok. Très bien. Très sympa ces prisons, en tout cas. Hein. C'est chaleureux, c'est... On est bien, on s'y sent bien. On s'y sent très bien. Alors, appétit vorace, ok, instable. D'accord. Mm-hmm. Donc, de toute évidence, c'était des petites expériences qui étaient menées ici. Mais il y avait carrément une sorte de... Ah ! Oh, putain, ça fait deux fois ! Ok. Des pièces détachées. Je pourrais reconstruire peut-être l'ascenseur, je sais pas. Je commence à avoir la bouche un peu pâteuse. C'est sûr. À mon pote. Moi aussi, bébé. Quelqu'un veut me tester ici, dans cette ville. Beaucoup trop fort malgré lui. Ok. Faut que j'arrête ce nouveau cri, hein. J'ai un nouveau cri maintenant, il est terrible. Balle, mon ref! Oh la vache! Alors, bougez pas. Je sais réellement pas examiner. Ok. 145, 27. Examiner. 110. Par contre, 40. 26. Il est un peu plus puissant. Donc celui-ci, on va raccourci. Voilà. Et celui-ci, raccourci. Il est un tout petit peu plus puissant, le SOCOM. On va l'utiliser. Là, je crois que j'avais fait un coup de maître. Voilà. Let's go. Ça, c'était un coup de maître. Le collier d'Ingrid, on l'embrasse. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je check, hein. Je suis un peu le GIGN. J'ai tout mis à côté. Excellent, ça! Ok. Je suis en angoisse totale. Ça, c'est cassé. Très bien. Là, il n'y a rien du tout, là. Un petit bonus, un petit truc sympa, mon pote.
Non, je pense pas que ce soit... Bon. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Je cours. T'as tapé dans le vide, idiot. Tu es au menu. Au menu. J'espère que je suis appétissant. Ok. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Ok. Oh là là. L'angoisse. Allez. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile! Aïe! Fermez ta gueule! Il se décompose! Dégage! Tu t'attaquais à nous! Aïe! Aïe! Je la joue RP! Impossible! Si c'est possible, tout est possible! Ok. Là, tu m'as chauffé. J'arrive pas à y croire! Ok. Allez, ça dégage. Hasta la vista, baby. Voilà mon bac. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Eh ben, finalement, c'est bien parti, les balles. Heureusement qu'ils ordonnent. Bon, ils sont sensibles au froid. Je pense qu'il va falloir retenir ça. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un combat de boss? Pas encore, je pense pas, mais très beau combat néanmoins. C'est la buanderie, ça. Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir renversé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allé la chercher lorsque je l'ai trouvée. La pauvre n'avait plus que la peau sur les os. Et elle était en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur d'être la prochaine. Tout va bien se passer. Bon, une sœur en moins, c'est ça? Si tout va bien. Ok, donc elles peuvent pas sortir, elles sont condamnées à rester dans ce château de merde, là. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Un compensateur de recul, incroyable. Compensateur de recul. Modifié. Ah, bah ouais. Je vais le garder parce que de toute façon, j'utilise un peu le SOCOM, alors sur un malentendu, il sera peut-être utile pour autre chose. Cette serrure semble être crochetable. Je n'ai pas de crochet. Laissez-moi rire. Et régale-moi. Je suis sûr qu'en fait, ça va être de la merde, non? Oh putain, un ange en bois. Incroyable. Ça va sûrement me sortir d'affaire. Ok, on déverrouille. Là, il y a quelque chose dehors. Très très bien. Forcément un truc ici. Beaucoup de poudre. On est très très bien dans l'aventure pour l'instant. Ok. On va direct aller acheter la grande valise. Et on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Et pourquoi pas un ou deux mods, ça peut être aussi très sympa. Très funky. Est-ce que j'ai quelque chose à mettre ici sur un malentendu? Non, ça a l'air d'être des sortes de piles. Ok. Je pense qu'on n'est pas prêt. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. T'es sympa, toi.
Vous voulez acheter quelque chose ? Bien sûr. Alors, le bazar. Déjà, attendez, la bourse. La bourse, on vend. Ah, vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Ça, c'est bon. Un buste cristallisé, un ange en bois et le collier. J'hésite à garder... Non, ça sert à rien. T'es sûr, vraiment ? Ça me paraît pourtant parfaitement. On va garder quand même le buste cristallisé. On achète et on va s'arrêter là. On verra la suite plus tard parce qu'on a à la prochaine beaucoup fois. D'argent. Et regardez ma nouvelle mallette, bien plus grande et bien plus sympa. N'oubliez pas de j'aimer, commentaire. J'espère que cet épisode 4 vous a plu. Portez-vous bien et à la prochaine. À demain pour de nouvelles aventures et pour la suite. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Go tell Andrew.